l'adoration de jour pour bien repérer Dieu, nous sommes dans le saloon. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne Anonos, quand il était venu avec moi en enquête pour aller au sanatorium, sur le chemin du retour, on a découvert ce lieu qui est par chez moi. Voilà. Et me voici ici. Ça faisait un petit moment que je voulais revenir ici, et là j'ai eu l'occasion et j'y suis. Franchement, je suis un peu dégoûté parce que quand on était venu, il me semble bien qu'il y avait toutes les tables encore ici. Voilà, il y avait vraiment tout. Et apparemment, soit on les a volées, voilà. Alors l'histoire de ce lieu, je ne la connais pas parce que j'ai trouvé aucune info sur Internet, mais il n'y a vraiment rien du tout. Il n'y a vraiment rien. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ici. Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'ils aient laissé tout. Ils ont vraiment tout laissé. Pardon. De toute façon, il y a les parties privatives et vous allez voir, il y a encore tous les jouets, les vêtements, les affaires des gens. Je ne comprends pas. Voilà, là je suis avec Fanny et on va explorer le saloon. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, là, vous pouvez voir le bar ici. Ça, c'est la grande salle du restaurant. Voilà. C'est la grande salle que vous voyez ici. La cheminée, c'est vraiment atypique. Là, vous avez le bar. Alors, sur des carnets de commandes, il y a une date, 2007. Voilà. Ah, il n'y a plus les cuisines. Je crois qu'elles y étaient. Il y avait tout le matériel. Là, il n'y a plus rien. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans les cuisines, du moins ceux qui en restent. Le petit vampire. Même des cassettes vidéo. Voilà, et là, on va entrer dans les parties privatives, que je trouve c'est très très grand. C'est vraiment très grand. Là, vous avez un placard. À vérifier. Je sais pas ce que j'ai entendu. Non, j'ai pas bougé. Là, ça peut être une chambre. Oh oui, c'est sûrement une chambre ici. Regardez un peu. Avec des dessins faits. Voilà. Il y a des cartes de visite. Je regarde juste. Ah non, c'est des autocollants. D'accord. Non, tout. D'accord. Ah oui, mais il y avait un canapé là et tout, je crois. Ouais, je crois qu'il y avait le salon ici. C'est fou ça. Regardez un peu la cheminée. La cheminée à l'ancien. Le plafond. En bois, c'est vachement joli avec la vieille pierre, tout, c'est super beau. Alors s'il y a quelqu'un de présent avec nous ici, surtout n'ayez pas peur, hein. On n'est pas là pour casser votre demeure. En fait, nous faisons des enquêtes sur le paranormal, c'est-à-dire que à l'aide de notre matériel, on essaye de rentrer en communication avec des défunts, s'il y en a eu ici. Alors n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous le souhaitez, en nous laissant un message sur nos appareils, nous le faire savoir en faisant un bruit. Et nous reviendrons dans la soirée, quand il fera nuit, avec d'autres matériels, pour justement essayer de rentrer en communication avec vous.
Merci. C'est un lieu. Alors pourquoi il est utilisé à l'abandon, je ne sais pas. Ils ont tout laissé comme ça, aucune idée. Aucune info sur internet, rien. Par contre, il fait pas assez chaud. Il doit faire 13 ou 12. En plein mois de juillet, il fait vraiment pas chaud. Mais bon, c'est pas ça qui va nous freiner. Ça, il me semble bien que quand on était venu, c'était pas cassé, ça. C'était pas cassé du tout. Ouais, pourquoi mon appareil il... Ah, voilà. Hop, mon appareil est bien. On prend moi. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah, ça y est. Si je me souviens bien, c'est par là ici. On descend ce grand escalier. Il me semble que c'est là. L'escalier est vraiment très très solide. Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un de physique, n'ayez pas peur, hein. On fait juste un reportage de vidéo. Par contre, si vous êtes là ici, pouvez-vous nous prévenir, s'il vous plaît? Et on vous laissera tranquille. Hein. Bon, ben, nous descendons alors. Hein. Là, je ne me sens pas bien, là, tu vois. Ah ouais, là, ici, c'est pas la même chose. Hein. On se permet de rentrer. Ouais, l'ambiance elle est pas pareille ici. Tu vois, comme je t'avais dit, tu vois, il y a des jouets d'enfants, il y a des vêtements, des petites chaussures, mais il y a beaucoup de vêtements, c'est ça le truc. Ah ouais, mais c'est. Je comprends pas pourquoi ils auraient tout laissé. Les petits joues d'enfants. Il y a vraiment tout. Je pense c'est la buanderie ici. Il y a tout leur carton, tout encore avec leurs affaires. Regardez ça, mais plein de vêtements de bébé, plein d'affaires de bébé. Il y en a de partout. N'ayez pas peur, hein. Surtout n'ayez aucune crainte envers nous.
Nous reviendrons ce soir avec du matériel. Ça serait avec plaisir de pouvoir communiquer avec vous, et si vous le désirez. T'as entendu ? C'est moi. C'est toi ? D'accord. Pas de soucis. Voilà, le garage, l'atelier. Poulet-Loire. Hein, c'est vraiment brevet de nageur scolaire. Mètres. Valérie. Ah, il y avait des lunettes de plongée en haut. D'accord. J'ai vu par terre. Valérie. Il n'y a pas la date. Là, je vais le garder pour moi. Pour regarder si je peux trouver des infos grâce au nom de famille. D'accord. En apprendre un peu plus. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Oh, c'est des enfants. Ah, c'est ici. Regarde, on reconnaît le sol. C'est ici. C'est des photos d'ici. Oh, il n'y a pas la date. Non, il n'y a pas la date. C'est un code, mais il n'y a pas la date. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je suis très fort. Février 2002. Il y a un autre nom. Oh là là. Tu le vois ? Je vais te marquer. Ah, d'accord, ouais. Elle est bien jolie, là. Ouais, mais ça, c'est l'atelier. Ils devaient faire leur propre réparation pour entretenir le restaurant. Diplôme, tiens. La plus belle maman. Oh là là. Oh. 2001. 2001. Il y a le 27 mai 2001. En principe, ça fait une disparition. Ah, c'est le même nom de la dame. C'est un kit main libre. Ah oui. Tout entier. Ah oui, mais c'est vieux. Ouais, 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 ouais. Oh, des exercices d'enfants. Ah ouais. 2004. Oh là là. 24 février 2004. Le cahier d'école des enfants. Oui. Je comprends pas pourquoi c'est abandonné. Il y a d'autres photos là. Des enfants, et c'est ici. Ok, la neige. Des enfants. Il n'y a pas une date. Non. Des enfants. Mais je comprends pas. Ça, c'est des négatifs. Et il n'y a pas l'indicatif. Il n'y a pas l'indicatif. Alors, tu vois, sur le téléphone. Il n'y a pas le 04 ou autre. Ah oui. Oh là 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 là. C'est vraiment. Je sais pas depuis quand c'est. La faïence. Ouais, la bande. Ouais. Ah, regarde, il y a tout un carton de faïence. Ouais. Oh là là. La vieille cassette vidéo.
en garage. Faites-nous un signe si vous êtes présent, s'il vous plaît. Tapez contre une porte ou le plancher en bois, s'il vous plaît. Et puis comme c'est la première fois qu'il doit y voir des personnes avec une caméra, tout ça, ouais, c'est un petit peu normal. Encore une valise au fond. Alors après, je sais qu'il y a... Ah oui, je crois qu'on a accès par là-bas pour aller au garage en bas. Mais s'il y a des gens qui sont venus ici, ils ont dû voler, tu vois, tout ce qu'il y a en bas, je pense. Oui. Si ils l'ont vu, ils ont vu tout embarquer. Pas rentrer parce que le plancher il est cassé, il s'affaisse. Ouais, comme ça la bosse. Bien chauffé. Ah, d'accord. On avait atterri là. Par où est-ce qu'on était passé avec Monos pour aller? Attends, on va repasser par là. Parce que je sais qu'on avait accès à une escalier qui descendait. C'est ça le truc, ouais. Parce qu'il me semble qu'on y avait accès par ici. Je sais plus très bien. Ouais. Attends, c'est pas cette porte là-bas? Je crois que c'est cette porte là-bas. Je suis pas sûr. Oui. Oui, ça je l'ai vu, mais je vais... Ouais. C'est brouillé. Oh non. On va essayer tous les deux. Yes. C'est quoi ça? Moustique. Moustique. Ouais.
Pardon, mais... Invasion de moustiques. On va voir, juste pour voir si c'est bien là. Ah non, c'est des mouches. Ouais, c'est qu'il y a de la flotte alors. Ah oui, d'accord, ouais. Ah mais c'est... C'est des petites mouches. Ouais, mais c'est parce que c'est le sol, il y a un petit. C'est quoi d'eau. Ça? Ah ouais, mais il y en a plein là-haut. Mauvaise idée d'aller là. Non. On referme. C'est trop ennuyeux. Donc c'était pas par là. C'est ici qu'il y a un trésor. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a des lampes et des pieds de lampes en albâtre. Voilà, tout est resté là, d'accord. Regardez un peu. C'est de l'albâtre. T'as entendu, Fanny? Ouais, je crois que c'était toi. Ça faisait un peu comme de la toile, un bruit de toile. Heureusement qu'il y a personne qui a découvert ça. Des personnes mal intentionnées parce qu'ils auraient tout volé. Mais la majorité s'est cassé un peu les trucs. Ainsi, tu vois, c'était bien la porte qui menait là, tu vois, la petite porte là, en métal, tu vois, elle est juste là, c'est là où il y a tous les bestioles là. Ah ouais, il y en a partout, du moustique. C'est grand ici. Ah oui. S'il était là ce canapé. Est-ce que c'est pas le canapé de roue? Parce que t'as dit qu'il manquait quelqu'un. Ouais. Je sais plus du tout. Je il faudra que je regarde.
Franchement, c'est un trésor, ça. Très, très ancien. J'ai plus de batterie. Ah ouais? J'ai changé, hier, j'avais plus de batterie non plus. Mais j'ai d'autres piles après, je t'en passerai. Ouais, des piles. Est-ce que ceci vous appartenait? Toutes ces belles lampes en albâtre de la maison Laloux, Paris. Courant d'air, c'est la porte en métal, ouais. Ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Ah, il y en a encore. Ah oui. C'est les premiers. Ah, ça a dit. Ouais, ça, c'est les pieds de lampe. Je te montrerai, tu vas voir. Ah, oui, il y a le. Ouais, maison. Le système. La lune, c'est. Ouais, ça, c'est des lampes. 200, 300, 1000 euros, 2000. C'est des trucs qui sont. Quand même, luxueux. Une petite porte. Une grosse roue de tracteur là aussi, ça. Toujours été là. Il y a du grain. Des rats qui ont squatté dedans. Large les polières. Voilà. Il faut se remouiller. Bah attends, tu sais quoi, on va passer par là. C'est moins long.
fois, c'était pas écroulé. Là, ici, carrément un morceau de poutre qui est tombé. Ah oui, le mur. Wow. Oui, voilà, c'est ce petit escalier. On arrive dans la maison où on ne pouvait pas rentrer. Fanny. Voilà. Tu vois, là ici. Voilà. C'est ça. Oh, ma lampe. Je fais tomber ma lampe, moi. Voilà. La maison qu'on voulait voir. Là, ils ont fait un escalier qui mène sur rien. Mais ça devait être ouvert, ouais, parce que regarde, c'est pas mal. Ouais. C'est tout ouvert. Ah ouais. Ah oui, il est vieux le compteur en roulette là. Oh, il y a des moustiques partout. Non, voilà. Il y avait un bouquin d'exercice d'enfant avec 2004 dessus. Ah oui. Dernière année. Ouais. Ah, tous ces moustiques là-bas, ça grouille. Purée, je vais les filmer. Il y en a des milliers. C'est qu'il y a de la flotte dessous. Voilà, c'est très très humide. Ah ouais, oui, c'est là où on voulait rentrer. Ah oui, on pouvait passer par là. Mais comme il y a la remorque, c'était bloqué. Ça, c'est une pièce. Ouais, je pense que ça devait être au resto aussi, parce qu'il y avait pas d'eau de glace. Tiens l'escalier. Ouais, t'as vu. Ok. Avec une barre en fer. Ah ouais, c'est ça. Ça menait la roue. Ouais. C'est quoi? C'est la porte de la salle. D'accord. Non, elle est trop grande. Elle est trop Ah oui, oui, si, si, tu sais, c'est là où il y a toutes les lampes, ouais. C'est là où il y a toutes les lampes. Ça y est, les amis, la petite expo du jour,
le petit repérage pour vous montrer un petit peu comment est ce lieu. Voilà. Et je vous dis à plus tard pour l'enquête de nuit. Ciao, ciao, à bientôt.